I love you, Lord, with all my heart, with all my heart. I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart. With all my heart. I love you, Lord. I see the cry of my heart. I love you, Lord. With all my heart. With all my heart. With all my heart, I love you. I love you, Lord. With all my heart. With all my heart. I love you, Lord. I desire to love you with all my heart. With all my heart. I love you, Lord. Let it be my experience. Que ce soit mon histoire. Je t'adore, Père, je t'adore, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, de tout mon cœur. Oh Père, j'aspire à t'aimer, Père. Des profondeurs de mon homme intérieur. Père, 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 je t'adore de tout mon cœur. Oh, ma Père, je t'adore. Je m'abandonne. Je ne retiens rien comme un sacrifice. Je suis ce sacrifice. Abba Père, Abba Père, au-delà des mots, au-delà des chants, Abba Père, je m'abandonne, ma volonté, ma chair sacrifiée, mes ressources, mon potentiel, mes capacités, mes finances, le fruit de mes lèvres. Abba Père, Abba Père, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, ma légère brosse, Abba Père, toi le seul adoré. Le seul couronné. Abba Père, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, Père, je t'adore. Père, c'est plus qu'un chant, de tout mon cœur. C'est une offrande qui de se livre. C'est une offrande qui est offerte, nous t'implorons. Conduis-nous, qualifie-nous, accorde-nous la grâce de nous livrer
et de réaliser qu'il n'y a rien de plus précieux et puissant et merveilleux que de s'abandonner. Parce que la vérité est que si nous ne nous abandonnons pas à toi, nous nous abandonnerons à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre appelé la chair. Accorde-nous la grâce de nous abandonner à toi. Que ta main soit étendue. Instruis-nous. Consacre-nous, Église, véritable adorateur du tout vivant. Merci de nous bâtir, construire. Merci de nous assister. Merci de nous éduquer. Merci pour ta présence, cher Esprit de Jésus. We receive you, we welcome you, we praise you. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, à ma paix, à ma paix, à ma paix. Oh, y a-t-il une personne qui veut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu réalises qu'avoir deux mains, ce n'est pas un acquis? Et quel que soit ton état de santé, si tu as la possibilité d'acclamer, alors acclame et pousse vers l'éternel des cris de joie. C'est là une expression d'adoration. We thank you, we bless you. Merci, nous t'honorons dans le nom de Jésus. Merci pour cette église que tu bâtis et que tu construis et que tu qualifies pour être une église de guerriers, de véritables adorateurs, de destructeurs d'autels, de tueurs de géants, de démolisseurs de forteresses, de briseurs de barrières. Merci pour cette église que tu bâtis dans la francophonie et dans tous ceux qui entendent le son de ta voix à travers ce pupitre. Merci. Parce que ce n'est pas dans ces quatre murs, mais c'est dans tout l'espace francophone, tous ceux qui sont connectés, que tu es en train de lever une armée. L'heure vient, elle est déjà venue, l'heure de la manifestation des fils que la création attendait et que l'enfer redoutait. Nous te rendons grâce. L'enfer ne peut pas empêcher la manifestation des fils, des véritables adorateurs. Merci. Parce que tu l'avais annoncé et tu as tenu ta parole. Tu as accompli tes promesses. Et voici une armée qui se lève. Nous te rendons la gloire. Et merci. Parce que tu nous accordes de t'appartenir et d'être bâti par toi. Divinement réquisitionné par toi, pour toi, en toi et avec toi. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses, au nom de Jésus.